Les retraites TAGIRC et ARCO des régimes complémentaires de retraite sont versées actuellement chaque trimestre. À partir du 1er janvier 2014, les retraites seront versées chaque mois. Cette mesure est issue d'une décision des partenaires sociaux qui elle-même s'inscrit dans le prolongement de la loi sur la réforme des retraites de 2010. C'est une revendication fort ancienne des retraités que de pouvoir toucher leur retraite mensuellement, comme c'était le cas lorsqu'ils étaient salariés en entreprise et qu'ils touchaient un salaire. Qui en bénéficie? Eh bien, ce sont tous les retraités qui jusqu'alors percevaient une retraite chaque trimestre, les bénéficiaires de pensions de réversion qui peuvent être en activité ou à la retraite, et puis qui sont domiciliés en France, dans les départements ou collectivités d'outre-mer et dans un pays européen. En pratique, comment ça va se passer pour un retraité? Eh bien, un retraité qui touchait 900 euros de retraite trimestrielle va en recevoir dorénavant 300 début janvier, 300 début février et 300 début mars, et ainsi de suite. En fait, le retraité va toucher une retraite trimestrielle, la dernière échéance, début octobre. Et puis ensuite, au 1er janvier 2014, on passera donc à un rythme mensuel. Tout est automatique. Aucune démarche administrative n'est à faire, ni du côté de la banque, ni du côté de la caisse de retraite. J'ai deux conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est de bien anticiper sur la gestion de vos revenus. Si vous avez par exemple de gros prélèvements au mois de janvier, eh bien, veillez bien à avoir de revenus suffisants sur votre compte bancaire. Et puis le deuxième conseil, eh bien, c'est une période de fête. Donc plutôt sympathique, mais où on peut être amené à dépenser un petit peu plus, notamment pour ses petits-enfants. Alors attention à votre compte bancaire.